Cinquième vente derrière Niro. Salut tout le monde, c'est NasGamer06 et on va regarder une story d'Abdel Haridi alias GameX13 et après la vidéo je vous dirai mon avis. Donc c'est au sujet de son classement 5e place derrière Niro, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Ce qui se passe autour de moi musicalement, même si ça va pas autour de moi musicalement, vous voyez YouTube et tout ça va, mais musicalement j'ai l'impression que ça va pas autour de moi, vous voyez. Mais malgré tout, 5e vente derrière Niro, derrière Pop Smoke et derrière MHD. Je sais pas combien vous avez été acheter mon EP, mais vous êtes des putains de malades. Merci beaucoup la famille. Wallah. Wallah merci. Wallah merci. Tout seul, il n'y a pas. Je vais pas me plaindre. Je suis pas de la musique de base. Je suis un youtubeur, voyez. Mais faire ça sans aucun média. Sans aucun truc sur des gares, sur des trucs, sur des bus, rien. Rien. Juste avec vous. Juste avec vous. Vous m'avez poussé à la 5e place. Derrière Pop Smoke, Niro et MHD. Merci. Je vais essayer d'améliorer beaucoup de choses dans la musique si je continue. En tout cas, je vous promets beaucoup de changements et beaucoup d'améliorations. Je vous le promets. Que ce soit musicalement, que ce soit encore les clips ou quand il y aura des sorties. Les promotions, il y aura des trucs plus beaux, plus sympas, des feats encore plus fous. Mais en tout cas, merci encore pour votre force. Et n'oubliez pas que habituellement la musique, c'est un plaisir. Et c'était pas mon activité principale. En tout cas, merci pour vos retours. N'hésitez pas à aller streamer sur toutes les plateformes encore, la famille. Et juste pour ceux qui peuvent pas forcément l'acheter, c'est pas un problème, la famille. Je vous remercie quand même de le streamer. Et n'hésitez pas à aller sur iTunes et tout, mettre des avis 5 étoiles et tout, on compte sur vous. Merci pour la force, la famille. Merci beaucoup encore. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point de se dire que sa putain d'intro, l'intro de ma musique, elle a, je sais pas où ils ont merdé. Moi, vous savez, quand nous on enregistre, quand vous allez chanter, vous enregistrez, après c'est aux autres de s'occuper d'envoyer le son pour vous, quand vous êtes dans un label et tout. Après, tout ce qui concerne le son, on l'envoie et tout, vous êtes maître de rien en fait. Bon la famille, direction manger. On va manger où ma femme? Sur les champs. Sur les champs, exactement. On va manger où les deux bitches derrière? Sur les champs. Exactement. C'est bien, c'est retenu. Et après, bah direction Grenoble. Direction la maison, direction la casa pour voir si mon beau-frère, parce que bon, il a envoyé une story à ma femme où il est en train de taper des barbecues dans la maison. Je vous jure les abonnés, vous allez rigoler si un jour je vous montre les stories de mon beau-frère. Il est en train de taper un barbecue. Il a dit quoi bébé pendant que tape le barbecue ton frère? Il a dit c'est de la bonne merguez du 38. Donc on va voir si à part manger des merguez du 38, il a bien avancé quand même un petit peu le beau-frère. Parce que moi j'ai une famille de fous et ma femme elle a une famille de fous. Comme ça, au moins, il n'y a personne qui est épargné dans l'histoire. Magnifique. Hop. On s'en lassera jamais. Juste magnifique. Voilà, le problème, c'est que tu demandes à l'idée d'aller acheter un masque. Il fait exprès. Tu achètes un masque qui fait remarquer, tu vois. Le masque, il fait chauffer. J'ai plein de couleurs. Tout le monde me regarde. Voilà. À cause de ce connard. Tu fais quoi encore? Tricia. Tu fais quoi encore? Ouais, de prendre des masques noirs, t'as pris des masques. LGBT, yes. Arc-en-ciel. LGBT. Ils sont beaux ces masques. Il a dit quoi? LGBT? LGBT. Bon, on va manger la famille avec mon madame. C'est pas madame, ma petite femme. C'est madame. Monsieur. Ma petite femme qui est en face. L'équipe, ça a cherché leur bouffe là. Ouais. Pas tout couler, on a pris une pizza aussi. Pas tout coulé, on a pris une pizza aussi. Donc voilà, c'était la story d'Abdel Haridi alias GameX13. Donc félicitations pour son EP 5e. Il a fait très très fort. Bon, il a pu compter sur l'appui de nombre de ses abonnés. Voilà, donc assez fort, franchement. Là, j'étais impressionné quand même. J'étais impressionné, j'avoue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.